appareil à vapeur que j'ai depuis plusieurs années, qui est tombé en panne. Et ben, je ne souhaite pas en racheter un autre. J'ai tout de suite pensé à l'atelier Repère Café. Voilà. Voilà. Je suis venue ce matin pour essayer de trouver une solution pour cet appareil, pour ne pas le jeter. C'est un problème électrique, donc je pense qu'on va trouver la solution en changeant de cordon d'alimentation. D'accord. C'est une panne relativement simple, je pense. Ça, on va juste desserrer en fait. Pour voir, vous voyez, ce type de rotule pour prendre le temps. Alors aujourd'hui, c'est le jour du Repair Café. Donc le Repair Café chez nous a lieu une fois par mois, le deuxième samedi de chaque mois. On a une équipe de bénévoles réparateurs qui est à la disposition de gens des environs pour faire des réparations sur des objets qui dysfonctionnent ou qui sont cassés. Donc on vient, les gens viennent avec leurs objets qui ne fonctionnent pas, qu'ils ne savent pas forcément réparer, mais qu'ils aimeraient sauver. L'idée, c'est ça, c'est que c'est pour les réutiliser derrière. On est dans l'idée de la réduction de déchets par le réemploi et par la réparation. Et donc nos bénévoles transmettent aussi des connaissances et des savoir-faire aux gens qui viennent pour le Repair Café. C'est-à-dire que c'est pas on dépose les objets et puis on va faire un tour et on revient, l'objet est réparé. C'est on participe à la réparation, on est actif dans la réparation. On apprend aussi et on découvre aussi des fois qu'il y a des tellement petites choses à réparer que ça vaut tellement pas le coup de les jeter et de racheter quelque chose de neuf. J'ai réparé le four, j'ai réparé un mécanisme de volet roulant et j'ai échoué sur une mini chaîne, mais parce que bon, on attend le spécialiste qui sera là cet après-midi, qui lui est beaucoup plus pointu au niveau d'électronique. C'est pas ma partie l'électronique, donc on a chacun plus ou moins une petite spécialité. En gros, là on a mis du dégrippant, ouais. Ça a enlevé déjà, ça a dégraissé, oui. Ouais, ouais. Et là, en le frottant bien, comme si on enlevait toute la graisse qui était toute dure. Et puis là, on remet en tout ça. Oui, c'est ouvert. Alors, il est passé à son endroit là. Oui.